Guillaume est après s'habiller pour aller jouer au hockey. Oh, si ça l'amuse, cet enfant, d'abord qu'il ne se fera pas faire mal. Parce que tu comprends, ils sont traits, les joueurs de hockey. Oh, les joueurs de hockey. Tu parles d'un sport. Hein? Le cyclisme, par exemple. Ça pédale plus aujourd'hui. Tiens, Cécile, ma donne ta fiette qui a la troisième tablette. T'es grande, toi? Au moins, ma grandeur, frère, à serrer les assiettes. Si les hommes n'étaient pas si petits. Mais veux-tu arrêter d'être gêné par ta grandeur? Tu trouves ça beau, moi? Oui, mais c'est pas grand. Hé, Guillaume! Oublie pas de mettre ton gros chandail, parce qu'il fait pas chaud dehors. C'est pas mal. Comme un oignon. Vite! Vite! Chante pas si fort, on s'entend plus parler. Tu disais, Cécile? Rien. C'est vous qui parlez tout le temps. Tiens, le pauvre. Pourtant, j'étais bien sûr que t'avais parlé. Ah, c'est peut-être mes pensées qui résonnent. Je pensais justement qu'il n'y a pas un garçon dans la famille qui sort avec les filles d'ici. Bon, les filles, ben tes frères sont mieux avec leur mère, sont en sûreté. Ouais. N'empêche que c'est toute seule comme une dinde, moi, parmi cette bande d'hommes ici. Au moins, vous pourrez sortir avec leur blond. Oh, non! Mais entendez-vous ça, les garçons! Ah, vive! Guillaume! Pas Guillaume! Cécile se plaît que vous ne sortez pas avec les filles! Je vais aller avec de m'en faire une, moi, une belle blonde. Oh, toi, mon escogriffe! Un enfant? Ben, viens, jamais me faire un coup pareil! Qu'est-ce que tu viens de dire là, toi? Moi, m'en faire une, belle blonde. Ben, viens jamais répéter une affaire comme ça, toi. Les athlètes, c'est pas bon. Tous les femmes, c'est pas bon pour les athlètes. Voilà Max Bear, par exemple. Oh, c'est le voleur. Il y a toujours un tas de belles filles qui m'attendent à la porte de la patinoire pour me demander mon autographe. Ouais, ben, faut jamais te laisser tenter. Oh. On va sortir avec les filles. Les muscles vont t'abolir. Ton coup de patin va en faire. Ça fait assez longtemps que je t'entraîne que tu me feras pas ça au moment où le Canadien t'avait de te remarquer. OK, OK. Être athlète, c'est quasiment aussi privant qu'être vrai, citron. Ouais, Angèle. C'est un apostolat, être athlète. Ouais. Faut se coucher de bonne heure. Il faut pas prendre de poisson fort. Bon, ben, pense bien que tu vas être en forme, là. Ouais. Pense pas que t'as pas un avenir. Un joueur de centre. Un physique de défense. Bon, mais 7 heures, moi, il faut que je parte si je veux arriver à temps pratique. Tu viens-tu? Non, j'y rajoute demain. Non, j'ai des journaux d'amasser, une centaine de portraits à coller dans mon album. Hé, chanteur d'opéra! Oui, l'opéra. Ça vous passe pas mal au-dessus de la tête, ça, mes frères. Heureusement qu'il y en a un dans la famille pour s'occuper des choses de l'esprit. Le sport, toujours le sport. Pensez donc à la culture, un peu. La culture physique, ça fâche. On chante pas, nous, on lit pas, on force. Le Canada français s'en va, mon Dieu, dont je ne sais trop quelle triste destinée. Le sport, toujours le sport. Hey, Guillaume, écoute, là, pratique ton coup d'épaule, pratique ton lancer, puis ton coup de patin, là. Allonge-les. Ouais, OK. Moi, OK, près de mes patins. C'est ça. Allez. Salut, mon frère. Hey, t'as compris, mon petit Guillaume, hein? Si t'en rends compte un gros, là, qui fonce sur toi, tasse-toi. Puis s'il cherche la chicane, sors de la patinoire. Puis c'est comme ça que je vais faire le saut des majeurs. Tu fais comment? Bonjour. Salut. Oh, petit, laisse-le donc se faire bardasser un peu, là. Laisse-le sortir de tes jeux. C'est plus un enfant. On lit pas. 21 ans, c'est juste qu'il ne mange pas son pain. Je sais comment élever mes enfants, ta fille de l'eau. Ah, ouais, lâche ton journal, là, et puis viens jouer un petit casino voleur. Ah, j'ai pas fini mes nouvelles internationales. Ah, ouais, viens. T'as le droit de mettre tes lunettes parce que tu vas en manger une bonne à soi. Allez.
Ah, c'est tout collant, ici, là. Pas un rein. Mais mon Dieu, j'ai la veine, à tes. Ah, oui, tu es fatiguant. Hein, reprenons. C'est pas là que c'est collant, c'est titre, là. T'es pas chaland, non? Non, non. Hein? Es-tu content, là? Moi, je vais pas tard. Là, je connais, c'est 5 minutes. Hein? 5 minutes. Ah. On envoie, le bronze. Tu veux brosser? Oui, 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 oui. Qu'est-ce que c'est, là? Oh, elle doit être dans notre chambre, là. Après servir de mon parfum sur ma table de toilette. Ah bon, ok. Là, ça passe. Tu t'épiles les sourcils, Ben oui, on sait jamais. Les hommes aujourd'hui. Ils aiment les femmes avec les sourcils minces, comme des bords de crayon. Tu remarques pas quelque chose? Ouh! C'est vrai que t'es chic! Comme le prince de Galles. T'en vas-tu à un conseil? Tu te plaignais tantôt qu'on se faisait pas de blonde dans la maison. Ça y est. Ton souhait est accompli. Non. Ouais. Qui? Oh, compte-moi ça. C'est quelqu'un de sérieux, hein? C'est pour ça que j'ai attendu si longtemps. Oui. Les filles cultivées, c'est si rare de nos jours. Hein? Elle travaille en manufacture dans le bureau. Rita Toulouse, elle s'appelle. Imagine ton nom, elle m'a parlé d'opéra. Oh, que t'es excitant! Tu vas chez elle? Oh non, non. J'ai voulu faire ça plus mystérieux, ça fait que j'y ai donné rendez-vous au coin de la rue sous un réverbère. Tu trouves pas que ça fait plus romantique? Et que j'aimerais donc se rencontrer un homme dans ton genre. Tu me contres ça tout en détail, bien vite. Conte-moi. Il faut que je m'en aille. Mon rendez-vous est à 8 h. Ouais. Mais pendant que ça va être tranquille dans la maison, moi, je vais en profiter pour compter mon argent. Tu sais que je suis pas loin de mon 400 pièces. Tout en monnaie dans ma petite banque. Bonsoir, ma petite sœur. Hein. Bonsoir. Et puis bonne chance, hein, vite. Bonne chance. J'ai chaud, vous savez, 2 heures de pratique, c'est long. Oh, ben vous jouez comme un âne. Oh. Oh, je vous trouve aussi bon que Béliveau. Me signeriez-vous votre autographe? Ah oui. Attendez-vous quelqu'un, M. Guillaume? Non, je guette si Napoléon est là. Il est contre ça que je signe des autographes et que je parle aux femmes. Mais qui ça, Napoléon? C'est mon frère, mon entraîneur. Oh, c'est un bon gars, mais il est contre les femmes. Je signe ici. Oui, à une belle page de blanche. Il y aura seulement votre nom, pas d'autre. J'aurais tellement hâte de vous connaître, de vous parler. Comment vous vous appelez? Rita Toulouse. Je ne connais pas. Oh, ben moi, je vous connais. Je connais bien votre frère, Ovid. Mais dites-moi pas que vous êtes dans l'opéra, vous aussi. Oh non, je travaille à la même manufacture, dans le bureau. Il me fait de l'œil. Ovid? Oui, Ovid. Même, je laisse sortir avec à soir. Puis qu'ensuite, il me présente à vous. Comprenez?
Pour moi, ça l'intéresse pas. Lui, il aime seulement l'opéra. Ah, peut-être que j'aime trop. Oh, non, non, vite, ça l'intéresse pas. Puis pas votre genre, en tout cas. On le sait jamais. Bon, mais il faut que je retourne à la maison. Guillaume, j'ai pas le temps d'aller vous coucher. Ah, oh, ben, c'est vrai. Un athlète comme vous, un beau garçon comme vous. J'ai peur de la noirceur. Viendriez pas me reconduire? C'est une idée, ça. Où est-ce qu'on va? On pourrait aller chez nous. On a un bon salon confortable. Tranquille. Et vous me feriez du sucre à graines? Puis du bon. OK. Père Bacco, ça fait une heure que j'attends. Il est 9 h passées. Le docteur Toulouse m'avait pourtant dit 9 h. 8 h. Voilà, voilà. Oh non. Non. C'est pas elle. Oh. Il gèle des pieds, moi. Faire attendre une heure. Bon, ben. Ovid Plouf. La dignité a assez enduré. M'envoie. Peut-être bien qu'elle est malade? Non, non. Non, elle avait l'air bien pourtant. Bon. M'envoie. Vous des filles, populaires comme vous êtes. Ah, oh, si vous pensez que Napoléon, il m'en a donné la chance. Oh non, lui puis ma mère, il me quitte assez. Non, j'ai jamais embrassé de fille. Oh, que je suis contente. Comment ça se fait que votre père et votre mère, ils vous laissent veiller tout seul avec des garçons dans le salon? Oh, ben, hé, hey, c'est entendu. Tu payes pension ici. Oh, mais ça fait pension chez nous aussi. Quoi? Mais je pense pas que ma mère me laisserait veiller tout seul avec des filles dans le salon. Elle serait installée juste devant nous autres, avec ses lunettes en chaise berçante. Oui, c'est certain. Oh, ben moi, mes parents sont modernes. Oh, les miens sont pas modernes. Ils sont pas battables. Ma mère, c'est quelqu'un. Oui, c'est certain. Guillaume. Ouais. Mon champion. Vous aimez ça, le chocolat? Mm-hmm. Surtout ceux avec des nougats dedans. Voulez-vous goûter à quelque chose de meilleur que le chocolat? Ah, du fudge? Moi, vous embrasser? Oui. Scorez-moi un petit point ça à vos chers champions. OK. J'étais bien rondelle. Oh! Oh, Guillaume, vous êtes un joueur de hockey complet. Moi, j'ai jamais vu un gardien de but. Si facile à déjouer. Quoi? Essayez donc de faire le tour du chapeau. Tour du chapeau? Ben, mettez-en. Et 401 et 420 402 402 et 20 402 et 20 402 pièces et 20. Je l'ai rendu qu'il faut que je fasse attention pour pas me faire marier pour mon argent. Bâti, Torfil Plouf! Bon,
tâche, moi, je fais de suite que je te bats. Oh, ouais, ben, tu triches certains sirop de caliment parce que, moi, le champion de la pédale qui s'est fait battre au casino voleur par sa Joséphine. Ah, ben, je joue plus, moi. Je m'en vais me coucher. Attends, attendons. Je vais aller arranger ton lit, là. Vin? Qui? Oh, c'était magnifique. Une fille superbe. On a parlé littérature et puis philosophie. Non. Ouais. Mais tu viens bien de bonne heure. Ben, je voulais pas gâter, tu comprends, alors je me laisse désirer. Mais mon Dieu, tu as droit de tour avec les femmes, toi. C'est la technique qui compte. Il y a encore des filles qui pensent à autre chose que le sport. Ouais, ben moi je pense que je vais aller me coucher. Ça fait des bons rêves, ma petite sœur. Moi, j'ai encore un livre de psychologie féminine à lire. Ah, ben bonsoir, vite. Bonsoir. Allez. Salut. Dis-je, Guillaume, qui est encore le divin. Ma, il est 10 heures, puis Guillaume n'est pas encore arrivé, ma. Mon Dieu, pourvu qu'il n'a pas été blessé. J'oubliais à l'heure à cause du casino. Oh, pour moi, il y a quelque chose qui... La voyons. Ah, moi, j'appelle la personne. Hein? Laissez ça, oui. Appelle. Hein? J'y avais dit de faire venir de bonne heure. Je m'en capable. On craint quelqu'un. Voilà, petit noir. Ah, c'est Napoléon Plouffe qui parle, le frère de Guillaume. Guillaume, tu es là? Il n'est pas là? Il est parti depuis Laval? Ben oui, mais il n'est pas encore arrivé ici. Ben oui, je le sais que vous n'êtes pas son père. Ah, c'est correct, Angèle, merci. Il n'est pas là? Ben non, il est parti depuis Laval. Penses-tu qu'il a pu avoir un accident? Je le sais-il. J'aurais donc dû y aller à la pratique. Mais non, c'est pas là que je reste. Hey, pas Guillaume! Mon petit tapis, voyons! Qu'est-ce qui se passe, non? Un drame ou un mélodrame? Il se passe qu'il est 10 heures, puis Guillaume n'est pas encore arrivé, puis c'est grave en Angèle. Arrête donc de m'énerver, pas Guillaume! N'en faites donc pas, maman. C'est ridicule, ça se fait une montagne d'angoisse parce qu'un grand garçon de 21 ans qui est bâti comme un Tarzan n'est pas arrivé à la maison à 10 heures du soir. Mais Guillaume, c'est pas pareil! Un enfant qui a jamais sorti. Vous énervez donc pas, maman, il va revenir. Vous allez m'excuser, moi, je vais lire au salon, il y a trop de bruit. Ah, c'est qui va venir. C'est qu'il a bien pu y arriver. Peut-être qu'il a pensé d'arrêter à l'église pour leur sainte. Il est si catholique, cet enfant-là. Ok, qu'est-ce que là, toi? Mon Dieu, mais t'as la face pleine de sang. T'es blessé? Ah non, c'est rien qu'une petite blessure, maman. Ça arrive des fois, ok. Je vais aller me laver, puis ça paraîtra. Viens donc ici un peu, toi. T'appelles ça du sang. Très hypocrite. C'est du rouge à lèvres. Puis du rouge à lèvres de femme. Hein? Du rouge à lèvres? Ouais, du rouge à lèvres. Guillaume, tu m'as pas fait ça, hein? Ouais, c'est du rouge à lèvres. Et puis après, si c'est pas du verre de Paris, ça me mangera pas. Les femmes t'ont eu, hein? Ben, t'es fini comme athlète. Oh, choque-toi pas, voyons. Choque-toi pas. Ça m'a pas affaibli, pas, toi. Bon. Ben, ton père va le savoir. Et tout de suite, à part de ça. Sophie! Réveille-toi! Ah, Seigneur! Réveille-toi donc! Pire que ça. Lève-toi, là. Hein? Dans tes pantalons, dépêche-toi. Quoi, mais dis-le! Guillaume! Il est blessé? Pire que ça, Guillaume s'est fait embrasser par une fille qui a toute la face.
semaine de rouge à lèvres. Puis c'est pour ça que tu me réveilles. Oh, t'as pas l'air à trouver ça effrayant? Ben, ce qui serait effrayant, là, c'est ça qui n'embrasse jamais les filles. Oh, laisse-moi où dormir. Ah oui, c'est ça. Laisse-le courir la galipote, on s'entend. Drôle de pire, va. Oh, c'est bien simple, moi. Vas-tu parler à peine? Vas-tu me dire ce qui est arrivé? Change de ton, bêche pas le pas. C'est ça, va te passer la main dans les cheveux. Guillaume, c'est pas si ça, hein? C'est tu savais comme tu m'as fendu le cœur. Ben voyons, ben voyons. C'est un coureur de jupe, c'est un hypocrite qui veut pas parler. J'ai rien qu'une chose à dire, moi. C'est que c'est mieux pour moi d'avoir une blonde, une régulière. Hein? Ouais, ça laisse les autres filles en dehors de ma zone. Une blonde, pour moi, c'est comme une défense. Puis moi, je te suffis pas comme défense? Non! Si encore tu avais des beaux grands cheveux. C'est ça, ris de main. Un gars depuis l'âge de 5 ans qui t'entraîne. Oh, porte-moi plus, père. Ah, chante dans. Parle-moi plus! Oh, bon, traite, bon, hypocrite! Que je vois plus ça, hein, mon Guillaume. Si tu savais comme tu m'as fait de la peine. Puis c'est tellement dangereux, les filles d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, donc? Peu poli, moi j'entends des éclats de voix. Il se passe au vide que Guillaume s'est fait embrasser par une fille. Mais, t'as pas aimé ça, hein? Hein? Tu as pas... Hein? Ben, pas mal, maman. J'ai pas mal aimé ça. Naturellement, Napoléon est furieux. Ben... Non, faites donc pas, maman. C'est normal. C'est un grand garçon. Oh, toi, viens pas l'encourager dans le vice. Qui c'est qui parle de vice, un baiser? C'est beau. C'est poétique. C'est dangereux. Quand t'auras fait tour de mon jardin, tu te sauras. Oh, voyons. Comment ça se fait que tu prends ma part, toi, vite? Guillaume, j'ai lu, moi. J'ai réfléchi sur la vie. Ça me permet de voir les choses d'un œil détaché. Raconte-moi ça, Guillaume. Comment ça s'est passé? Ben, vois-tu, à la porte de la patinoire, il y avait une petite fille qui m'attendait pour me demander mon autographe. Belle, hein? Oh, tu parles, mon gars. Vrai bébé. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh, c'était effrayant quand j'y pense, mon Guillaume! Fait que, elle m'a demandé d'aller chez elle pour manger du sucre à crème. Il est un sucré. Tu parles. Puis, j'ai scoré quelques points avec ma bouche. Ça a raison du rouge à lèvres. Ça a pris Guillaume, comment il s'appelle, cet ange du ciel? Oh, elle te connaît! Ah oui? Rita Toulouse. Comment? Oui. Rita Toulouse? Ben oui, c'est bien ça. Ouais, ben moi aussi, je la connais. En particulier. Et puis, je connais toutes les femmes en général aussi. Ah, c'est ça! Ouais. Parle-y, Audrey. Oui, sa mère. Écoute ta mère, là. Et Guillaume. Écoute Napoléon, écoute-moi. Laisse-toi plus jamais embrasser par une fille, toi. Moi, je vais aller me coucher, moi, je comprends plus rien. On comprend ça, nous autres. Oui, puis ça suffit.